Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer les parties pédagogiques. La dernière fois, on avait rencontré des adversaires classés entre 1100 et 1300 sur Chess.com. Aujourd'hui, on va affronter des joueurs classés entre 1300 et 1500. L'idée, c'est de vous proposer différentes parties avec des ouvertures à chaque fois différentes, côté blanc et côté noir. Je vais vous partager ma réflexion avec en particulier les idées stratégiques des deux côtés, mais aussi le calcul des variantes. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. C'est parti! Allez, nouvelle partie, cette fois-ci j'ai les noirs contre un joueur classé 1312. Il me fait D4. Alors je vais sortir mon cavalier en F6 pour casser la symétrie dès le premier coup. Il joue G3. Ok, donc il veut placer son fou en fianchetto sur cette grande diagonale. Eh bien, je vais jouer D5. D5, mon idée, ça va être de faire un mur avec D5, C6, comme ça, une grande barrière, pour essayer de coincer au maximum l'activité de son fou. Cavalier F3, d'accord. Maintenant, je vais sortir mon fou avant de jouer E6. Ça permet d'avoir le fou sorti du bon côté de la chaîne de pions. Ok, là il a sans doute envie d'échanger pour me faire des pions doublés. Eh bien j'ai un moyen très simple ici d'empêcher ça. C'est de mettre mon cavalier en D7 en soutien du cavalier F6. Comme ça, en cas d'échange, je reprends et tout va bien. Alors maintenant je vais faire ça. Mon idée c'est de sortir le fou. Là j'ai peut-être l'idée de mettre mon fou en B4 pour venir clouer son cavalier. Et éventuellement prendre pour lui faire des pions doublés sur la colonne. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire avec son cavalier ici? Il veut sans doute prendre le cavalier D7, sachant que je ne pourrais pas reprendre avec le mien, je suis cloué. Et sur cavalier prend D7, si je prends avec la dame, il pourra continuer par fou prend F6. Et me faire des pions doublés, même si c'est pas forcément très grave hein, ici d'avoir des pions doublés parce que ma défense est quand même assez costaud avec la paire de fous qui se trouve derrière. Mais je vais faire ça. Je vais faire ça d'abord quand même parce que j'ai envie de garder mon idée principale qui était d'attaquer ce cavalier cloué. Donc je vais mettre le fou après en B4, je vais ramener le cavalier ici. Et puis on va lui mettre un maximum de pression là-dessus. D'accord, petit roque. Bon, bah finalement il se débarrasse du clouage. Hein, donc ma menace n'était pas si forte que ça. Mais je vais quand même jouer ça. Je vais quand même jouer ça avec l'idée de gagner un pion. Fou prend cavalier, pion prend, dame reprend. Et s'il met sa dame en D2 pour défendre, je vais pouvoir rapprocher mon cavalier ici. Et ça sera très désagréable pour lui, puisque ça va attaquer la dame et ça va attaquer son cavalier une troisième fois. Alors peut-être que le mieux pour lui, c'est carrément de ramener son fou en D2. C'est défensif, mais au moins ça résout tous les problèmes. Il n'y a plus de clouage. Enfin, il n'y a pas de clouage, mais il n'y a plus d'histoire de pion doublé. Alors il ramène son cavalier ici, ok, ça c'est possible également. C'est possible également. Donc je vais roquer maintenant. Je trouve que c'est bien joué avec cavalier B1. Parce que derrière il peut attaquer mon fou, il fait reculer mes pièces et finalement il va pouvoir ressortir son cavalier un peu plus tard. Alors pour l'instant, je menace de prendre deux fois en E5. Et il n'a pas vu. Il n'a pas vu, donc on va prendre comme ceci. Et s'il reprend, on va prendre avec le fou. Et on aura un pion d'avance. Un pion d'avance. Le pion B2 est attaqué. Alors il faut quand même faire attention. Si on prend le pion, il y a peut-être du tour B1 avec l'idée de chasser le fou et de récupérer le pion B7. Sauf qu'après tour B1, je pourrais continuer par dame prend A3. Je protège mon fou et je gagne un deuxième pion. Donc c'est parti pour fou prend B2.
Tour B1, dame prend A3. Bon, j'imagine maintenant qu'il va faire fou prend F6. Et s'il joue ce coup, là, j'aurai un choix à faire. Soit reprendre du fou, quitte à perdre le pion B7, et permettre à sa tour de pénétrer en 7ème. Ou alors, sur fou prend cavalier, reprendre du pion, pour garder mon fou bien en place, et empêcher donc sa tour de venir jusqu'en B7. C'est ce que je vais faire, parce que ce pion-là, il est quand même important. C'est un pion de plus. Enfin, j'ai deux pions de plus, mais voilà, c'est j'ai une belle chaîne de pions ici, qui menace après d'avancer. Donc j'ai vraiment pas envie qu'il la casse, cette chaîne de pions. Et en plus, je me dis qu'en reprenant avec le pion, c'est pas si mal, parce que ce pion contrôle des cases importantes. Ça empêche son cavalier de s'approcher de mon camp. Et le roi, finalement, il n'est pas si faible ici, parce qu'il n'a pas de pièce pour l'attaquer. Mon fou peut revenir en G6. Le roi peut éventuellement venir se cacher en H8 s'il y a besoin. Donc, je n'avais pas de raison là de redonner un, voire plusieurs pions. C'est important de garder le matériel. Alors, après, quel va être le plan? Ben, j'ai plusieurs façons de jouer. Je peux me dire, j'ai un pion passé sur la Colonna. Donc, je l'avance le plus loin possible. Ça, c'est un plan qui a l'air assez efficace. Je peux aussi consolider la position de mon roque. Je peux aussi avancer les pions centraux puisque j'ai de l'espace. Alors, il faut aussi que je regarde ce que veut faire l'adversaire. Là, il a envie de venir ici. Il veut venir ici sur cette case forte pour lui en H6. Il a raison hein, d'ailleurs. Mais ce pion F6, il est protégé par le fou. Donc c'est peut-être pas si grave que ça. On va avancer le pion A. On va avancer le pion A et puis on le plus loin possible pour lui pour l'obliger à défendre face à la menace de promotion. Il aura beaucoup de mal en plus avec ses tours à stopper ce pion parce que je contrôle la case A1 plusieurs fois. Donc on continue, A4. Bon, je suis un peu surpris, je m'attendais plutôt à l'arrivée de la dame ici. Sur dame là, je peux reculer mon fou en G6, ou je peux aussi prendre d'abord en C2. Ok, donc dame ici, ça menace rien. Ça menace rien. Moi, je vais reculer madame. Je vais reculer madame, comme ça, je laisse la possibilité à mon pion d'avancer. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Cavalier H4. Sur cavalier H4, je peux juste reculer mon fou en G6. Et comme ça, s'il fait l'échange, ça va rétablir ma structure de pion. Là, on va pas s'embêter, on va échanger. On va échanger. Alors, il reprend la tour. Là, il y a un petit calcul à faire. Là, je peux faire la fourchette. Mais ça implique de perdre le fou. Et il faut quand même surveiller ça parce que mon roi est assez faible. J'aimerais pas me prendre après une attaque de mat avec dame plus fou de case blanche ou alors un échec perpétuel. Donc, E5. Dame prend fou. Pion prend tour. Puis on prend tour, donc déjà son fou ne peut pas venir en E4 puisque c'est contrôlé par le pion D5. Il peut faire un coup d'échec avec sa dame. Dans ce cas-là, je recule en H8 et il n'y a plus d'échec. Déjà, cette variante a l'air gagnante. On va quand même vérifier. E5, dame prend fou, pion prend tour. Alors, s'il fait dame prend pion F6, tout de suite. Attention, il menace après dame G5, roi H8, dame F6, roi G8, dame G5, avec l'échec perpétuel. Donc après E5, dame prend fou, pion prend tour, dame prend F6, est-ce que j'ai un moyen d'empêcher cet échec perpétuel? C'est ça la vraie question. Je ne suis pas sûr.
Bah si, je peux ramener mon fou tout simplement. Bah non, mon fou il est pris. Oh là là, qu'est-ce que je dis? Ouais, donc ça c'est pas terrible. Donc on va reculer le fou plutôt. On va reculer le fou, sinon il y a la variante de d'échec perpétuel qui doit lui apporter la nulle, si je dis pas de bêtises. Bon, on pourra le vérifier à la fin de la partie si on y pense. Donc je recule le fou, ça consolide mon roque. Ah, par contre, je donne ce pion. Je donne ce pion, donc là, ça c'est pas bien joué. Alors par contre, maintenant, je peux jouer ça. Je peux jouer ça. Et là maintenant, il n'y a plus l'échec perpétuel, donc je vais avoir le temps de prendre sa tour et de me défendre ensuite contre ses éventuelles attaques. Dame prend pion, pion prend tour. Je peux aussi prendre de la dame d'ailleurs. Quelle est la meilleure réponse? Reprendre du pion ou reprendre de la dame? Allez, on va prendre de la dame. On va prendre de la dame, comme ça garde un joli centre de pion. En plus, je contrôle cette case. Donc ça peut être utile en vue de la promotion. Il chasse la dame. Ok. On va venir ici. Pour garder un œil sur E5 et sur A1. Et là, s'il fait ça, bah, je peux prendre le pion. Ok, donc là, par contre, il a sans doute envie de chasser mon fou. Il a envie de chasser mon fou. Je continue. Alors, attention, son idée, c'est ça et ça. Ça et ça pour faire mat. Et là-dessus, c'est presque trop tard, parce que si je prends là, il reprend avec son fou. Et derrière, il menace à nouveau de faire son échec perpétuel. J'ai peut-être pas été super précis quand même là. Alors, comme j'ai beaucoup de matériel d'avance, j'ai une tour de plus. Je vais jouer une défense solide. C'est-à-dire que je suis prêt à redonner du matériel. Je joue ça. Il peut échanger les dames, gagner mon fou. Mais au moins, s'il joue cette variante, je reste toujours avec une qualité d'avance et le pion A qui va ensuite faire la différence. Donc il est obligé de bouger sa dame pour éviter l'échange. Mais du coup, ça me permet de prendre le pion. Et ma dame en D8, elle fait le boulot maintenant, puisque déjà elle empêche la dame de faire un échec en G5. Alors, attention quand même, il y a la menace dame G7 mat, évidemment. Mais là, on va faire maintenant F6. F6. Et sur dame échec, on va se cacher en H8. Et après, ça devrait aller. Il n'y aura plus trop d'attaque. Dame échec, roi H8. Son fou peut pas accéder à cette diagonale. Alors, il revient avec sa dame. Ok, peut-être pour faire un coup d'échec ici. Mais s'il fait échec ici, le fou peut revenir. C'est peut-être ce qu'il a raté d'ailleurs. Donc, on va continuer d'avancer le pion. Son idée, c'était ça. Échec, roi bouge et mat. Alors, roi fou ici, d'accord. Donc là, il veut faire échec, roi bouge et mat. Ou alors échec, fou G6, fou prend fou, et je pourrais pas reprendre à cause de la prise en G6. Donc là il est assez agressif. Assez agressif. Il va falloir se défendre. Et je vais jouer roi là. Pour éviter donc le coup d'échec. Et comme ça, sur dame G4, j'aurai le temps de jouer tour G8. Pour venir parer la menace de mat. Alors attention au temps, il nous reste à peine 2 minutes contre 3,40 pour l'adversaire. Donc la position est gagnante, hein. On a une tour de plus et un pion qui est tout proche de la promotion, mais il faut quand même être vigilant, il faut regarder les éventuelles menaces de mat. Pour l'instant, il n'y en a pas,
Donc on va lancer notre atout ici. Et là, si je prends le pion, oh là là, si je prends le pion, non, il n'y a pas d'échec. Enfin, si, il y a un coup d'échec, je peux couvrir avec la dame. Donc je vais faire ça. Comme ça, en cas d'échec, je couvre avec la dame. Et s'il prend le pion, je fais une enfilade avec tour G8. Donc là, je couvre comme ça. Et au prochain coup, je menace la promotion. Là, par contre, ça va gagner très, très facilement maintenant. Là, je pense qu'il va abandonner, sauf s'il décide de jouer pour le temps. Sachant qu'il nous reste 1 minute 30. Mais franchement, là, ça devrait plus proposer de problèmes maintenant. Les coups vont être assez faciles. Et on va avoir une belle attaque. Après la promotion, ça va attaquer tout seul. Alors peut-être dame prend dame. Tour prend. Et tour à 1 pour résister le plus longtemps possible. Mais évidemment, ça va pas suffire puisque j'aurai plein de plans pour continuer l'attaque de promotion. Je pourrais avancer les pions. Je pourrais aussi mettre le fou en B1 pour bloquer sa tour complètement. Et finalement, il a abandonné. Il a vu qu'il n'avait pas d'espoir ici face à la menace de promotion. Alors, j'ai les blancs contre un adversaire classé 1363. Je vais faire D4. Il répond la symétrie et je vais jouer C4. Donc le gambit-dame. Je viens attaquer son centre. Il prend mon pion. Donc, moi, c'est pas forcément la variante que je conseille, même si elle existe. Parce que je vais pouvoir récupérer ce pion C4 très facilement et obtenir en plus le contrôle du centre. Donc là, je vais mettre un deuxième pion au milieu. Comme ceci, ça va me donner beaucoup d'espace pour sortir mes pièces derrière. Et puis, je vais pouvoir en plus chasser ces pièces assez facilement en général. Donc là, ma première idée, c'est de récupérer le pion. Mais attention, il attaque quand même le pion D4. Donc, je dois le protéger. Alors, je pourrais très bien faire D5. Mais sur D5, son cavalier pourrait venir en E5, protéger le pion C4. Et venir aussi en D3 pour m'obliger à me séparer de mon fou de case blanche. Donc, j'ai pas envie de donner cette case et je vais jouer cavalier F3 ou fou E3 peut-être. Fou E3 pour protéger le pion et permettre toujours de reprendre comme ceci. Donc cavalier F6, il se développe et il attaque maintenant le pion E4. Donc il faut être bien vigilant, il faut protéger ce pion avant de récupérer C4. Et pour le protéger, le plus simple, le plus efficace, ça semble être de mettre le cavalier en C3 pour développer une nouvelle pièce. Cavalier G4. Ok, ça c'est bien vu. C'est bien vu parce qu'il cherche à prendre mon fou. Et je peux pas trop partir. Si je pars, je perds ce pion. Donc je vais récupérer ce fou. Je vais récupérer ce pion, pardon. Et puis s'il prend mon fou, eh bien c'est pas grave, je vais reprendre comme ceci. Donc j'ai des pions doublés, mais ici c'est pas très gênant parce que en contrepartie, ça ouvre la colonne F pour la tour. Donc je vais pouvoir me développer, faire le petit roque. Et la tour sera directement bien placée sur cette colonne ouverte. Ça va me donner du jeu par la suite. Petit roque, ok. Alors maintenant, comment développer l'attaque? Je peux peut-être mettre un madame ici pour ensuite me rapprocher en G3. C'est une première solution. Mais il y a un coup là qui me titille en fait depuis tout à l'heure, c'est la poussée en E5. La poussée en E5 parce que ça permet déjà de bloquer son pion E6 et de garder ce fou bien muselé. Ça permet d'ouvrir la diagonale pour le fou. Et ça permet aussi d'offrir une case au cavalier en E4 pour se rapprocher après du roi. Et c'est important de le faire tout de suite parce que si je joue pas E5, mon adversaire risque de le faire lui-même et je pourrais plus après avoir cette diagonale ouverte pour l'attaque.
Même si après E5 je gagne un pion, certes, je gagne un pion, mais il faut voir la qualité de ces pions. Ce seront des pions triplés isolés, donc qu'il pourra récupérer sans doute facilement en plaçant sa dame ou sa tour sur la colonne. Donc j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ce pion qui arrive en E5, qui permettrait au passage de libérer son fou. Donc je vais jouer ça tout de suite. Et là, je pense vraiment avoir une belle position. On peut voir que le pion D4 maintenant ne risque plus rien, puisqu'il est bien défendu par le pion E3. Donc c'est un des avantages de cette structure avec les pions doublés, c'est que ça protège bien le pion D4. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça offre une colonne à la tour. Cavalier A5, attaque le fou. Bon, pas de problème, hein, j'avais prévu de toute façon d'amener le fou sur cette case. Donc ça accélère mon plan. Là, il doit peut-être faire C5. C5 pour chercher quand même à mettre la pression sur D4. Et puis après, quelque chose comme B6, fou B7, pour trouver une grande diagonale à son fou. Il échange le fou contre le cavalier. Ok, donc le cavalier effectivement ne pourra plus venir en E4 pour venir attaquer. Ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que en ramenant mon pion en C3, ça protège mon centre encore davantage. Et puis ça me donne aussi une colonne semi-ouverte pour y activer la tour. Alors, comment attaquer? Là, je peux pas ramener mon cavalier parce que bah, c'est contrôlé tout simplement par la dame. Je pourrais faire passer la dame comme ceci, mais ça me paraît un peu lent. J'ai plutôt envie de faire H4. Alors H4, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître affaiblissant pour le roi, et ça l'est d'ailleurs un peu. Mais en contrepartie, ça me donne de l'activité. Mon idée, c'était bah, de ramener le cavalier en G5, puis la dame. Alors maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'il a mis son pion en H6. Il a bien joué. Il a bien joué. Donc je vais changer mon plan. Je vais faire fou C3, fou C2, pardon. Et pour pouvoir faire dame D3 ensuite, créer une batterie dirigée vers son roi. Et donc l'obliger à s'affaiblir pour parer la menace de mat. Il va devoir faire G6, certainement, ou alors F5. Mais dans les deux cas, ça fait des trous dans son roque, et je pense pouvoir en profiter avec mes pièces plus actives que les siennes. Vous voyez que moi, j'ai pas trop peur en fait de m'affaiblir parce que finalement, il n'a pas de pièces pour attaquer mon roi. Donc j'ai beau affaiblir mon roi, c'est pas vraiment un souci. Par contre, si j'avance mes pions au contact des siens, bah, ça va forcément fragiliser aussi sa défense. Et ça, par contre, c'est bien plus problématique pour lui. Parce qu'il y a pas mal de pièces blanches du coup à tourner autour. Alors il vient de mettre son fou en E8, mais son cavalier n'est pas défendu. D'ailleurs, il n'a pas défendu non plus au coup d'avant, hein, puisque son fou vient de la case D7. Mais j'étais tellement omnibulé par la menace de mat que j'en ai même oublié de voir que cette pièce était prenable. Donc bon, on va la prendre maintenant. On va pas faire la fine bouche. Et puis on va revenir en D3, toujours pour garder un œil sur son roque. Ok, alors fou B5, j'aurais pu perdre la qualité. Je l'avais pas vu, très honnêtement. Heureusement, j'ai ce petit coup de pion en C4 qui vient chasser son fou. Et par contre, là, il a fait une erreur, à mon avis. Il a mis son fou en C6 sur une case active, certes. Mais par contre, il a oublié que la case G6 était sous pression. Tant que son fou était en E8, j'avais du mal à percer complètement sa défense. La dame ne pouvait pas prendre en G6, il y avait son fou qui reprenait. Maintenant, je vais pouvoir prendre en G6. Il peut plus reprendre, sinon la dame va faire échec et mat en deux coups juste après. Donc là, son roque vole en éclats et ça devrait être maintenant assez rapide. Je pense qu'il est obligé de mettre son pion sur cette case pour essayer de boucher la diagonale, mais ça va pas non plus fermer totalement la position puisque je pourrais faire la prise en passant. Finalement, il joue ce coup de pion. Alors là, ça va gagner maintenant. Simplement, on va faire ça. On va faire ça. Ça attaque la tour. Ça menace Dame H7.
Et s'il prend le pion avec son roi, eh bien, c'est quand même échec et mat avec dame H7. Donc là, je vois pas de défense contre ça. F6, ok. Donc là, je pourrais prendre la tour, mais il y a sûrement plus fort. Je peux peut-être faire ça d'abord. Échec. Et maintenant, si je prends la tour, ça fait échec avec la dame. Donc ça oblige son roi à reprendre. Ça oblige son roi à reprendre. Il n'y a pas encore de mat. Est-ce que c'est pas mieux dans ces cas-là de glisser le petit coup de fou en G6? Et comme ça va forcer le mat. Je vais pouvoir prendre ici. Double échec grâce aux deux dames. Il est obligé de prendre la dame F8 avec son roi. Et je vais pouvoir terminer maintenant avec ce baiser de la mort. J'ai les noirs contre un adversaire classé 1339. Il me fait E4 et on va jouer la Sicilienne. Donc la Sicilienne qui cherche à rompre la symétrie dès le premier coup de la partie. Il joue fou C4. Ok, alors par contre sur la Sicilienne, fou C4 au deuxième coup, c'est pas forcément le plus précis, je trouve. Parce que je peux répondre E6, un peu comme dans la française. Et du coup, le fou se trouve assez limité sur cette diagonale. Il ne vise plus le pion F7. Et je vais pouvoir, par la suite, gagner des tempos sur ce fou. Donc c'est ce que je vais faire dès maintenant, en poussant le pion jusqu'en D5. Je viens attaquer son fou et j'ai un bon contrôle du centre avec mes pions. Donc maintenant que le centre est contrôlé par les pions, je vais pouvoir sortir mes pièces. Et dans la suite de la partie, je vais essayer de jouer contre son fou justement qui est assez bloqué par le pion D5. Donc maintenant, je sors le cavalier en C6. Je vais pouvoir sortir mon fou en D6 pour viser maintenant cette belle diagonale. Ok, fou G5. Bon là il me fait un petit clouage sur le cavalier, c'est un peu désagréable, mais c'est pas non plus très grave. Je peux très bien m'en débarrasser si vraiment il y a besoin avec fou E7. C'est sans doute ce que je vais faire d'ailleurs, hein, parce que si je joue pas fou E7, si je joue par exemple cavalier là, ah cavalier là est possible pour attaquer sa dame. Il n'a pas le coup intermédiaire fou prend F6. Sinon, je prends sa dame sur échec avant de reprendre son fou. Donc, c'est ce que je vais faire. Cavalier ici. Et puis, je viens attaquer le pion D3 en même temps. Donc, il va devoir faire attention à ces différentes menaces. Peut-être la dame en G3. Mais ça reste assez délicat, dame G3, parce que elle vient se placer sur la diagonale du fou. Même si pour le moment, il n'y a pas de découverte mortelle. Ça peut être très gênant par la suite. Il y a toujours ce motif tactique. En tout cas, j'allais dire, en tout cas, c'est la seule case que je vois. Il préfère revenir finalement en D1. Et on voit bien que sa manœuvre dame F3 n'était pas bonne, hein, puisque finalement il a activé une pièce supplémentaire. Je vais mettre mon fou maintenant en F5. Mon idée, bah, c'est de prendre le pion avec le cavalier. Pour le mettre en échec, l'empêcher de roquer. Alors là, il a pris un pion. Ok, il profite du clouage. Je peux pas prendre son fou, sinon il prend la dame. Ok, mais par contre, là, il a fait un troc un peu étrange. Il a pris ce pion D5 contre le pion D3. Moi, je veux bien. Je veux bien parce que ça oblige son roi à rester au milieu. Et je vais pouvoir maintenant l'attaquer beaucoup plus facilement avec mes pièces. Donc je vais commencer par jouer tour E8, ça mange pas de pain, occuper la colonne avec la tour, et au passage il y a la menace tour E1 échec qui oblige sa dame à se sacrifier. Donc, je pense que là il va faire cavalier F3 pour se développer, et puis bah, tout simplement pour contrôler cette case. Il revient à E3 pour boucher la colonne, ok. Eh bien maintenant que mon cavalier n'est plus cloué, je peux lui prendre son fou. Donc là, fou E3, c'est une grosse erreur de sa part. Et en plus, je menace tour prend fou maintenant. Tour prend fou avec la suite. Pion prend tour. Cavalier reprend. Échec.
et garde la dame. Donc voyons s'il voit cette menace. Dame F3. Dame F3, donc du coup, maintenant, est-ce que c'est toujours utile? Si je fais ça et qu'il prend mon fou, je fais directement échec et mat. Mais le problème, c'est que sur tour prend fou, il n'est pas obligé de prendre mon fou. Il peut prendre la tour tout simplement avec le pion. Donc là, ça serait pas très bon de faire ça. Et il faut quand même que je fasse attention parce que je me retrouve avec deux pièces menacées, le fou, le cavalier. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour parer cette menace? Eh bien, je peux faire un échange cavalier contre fou, ça c'est une première solution. Et ensuite, bouger mon fou. Ou alors, je peux bouger le fou tout de suite. C'est ce que je vais faire. Et comme ça, je garde toutes mes pièces au centre de l'échiquier, bah, pour créer des menaces, des combinaisons. Là, j'ai beaucoup plus d'activité que lui, donc il y a forcément quelque chose qui va être possible prochainement. Aux échecs, il n'y a pas trop de mystère, hein. Quand on sort mieux ses pièces, que l'adversaire, eh bien les combinaisons arrivent tout naturellement. Donc là, on peut voir que la dame et le roi sont très mal positionnés sur cette même diagonale. Donc je vais retirer mon cavalier ici, ou là peut-être. Qu'est-ce qui est le mieux? Si je mets mon cavalier ici, donc c'est peut-être un peu plus discret, je menace fou d3. Si je le mets ici, il peut faire fou prend cavalier, je reprends. Ouais, j'aime bien ça aussi, hein. J'aime bien ça parce que s'il se sépare de son fou, ça veut dire que la colonne E, elle va être beaucoup plus facilement exploitable. Et donc je pourrais attaquer son roi avec encore plus de force. Donc c'est ce qu'il fait, il se sépare de son fou, mais j'ai toujours cette menace fou d3 qui gagne la dame, et dans tous les cas ça va gagner, parce que même si la dame s'en va de cette diagonale, j'aurai quand même fou d3 échec, et son roi n'aura pas la possibilité de s'échapper sur la colonne, puisqu'elle sera contrôlée par la tour. Donc ça veut dire qu'il va devoir sacrifier beaucoup de matériel. Et là, ça va être abandon dans quelques coups. Donc on voit bien l'importance dans une partie d'échecs, dans l'ouverture, de bien bien développer ses pièces rapidement et de mettre le roi à l'abri. Si on ne fait pas ce genre de choses, eh bien le risque, c'est que le roi se retrouve déroqué, comme dans la partie, et que l'adversaire, bah, après, soit capable d'attaquer le roi avec toutes ses pièces assez facilement. Donc, il n'y a pas de solution, hein. Si la dame vient là, on a dit à fou d3. La dame ne peut pas prendre le fou non plus, puisqu'il y a la tour qui protège. Donc là, c'est pas impossible qu'il abandonne directement. Ah, il y a peut-être dame ici. Il y avait, alors, je pensais à dame. Il a abandonné finalement, mais sur dame 3, il y avait fou d3 échec. Roi bouge et tour prend dame. J'espère que ces parties pédagogiques vous ont plu et qu'elles vous ont appris des choses dans les différents compartiments du jeu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite de belles parties et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.